Salut à tous, on se retrouve sur Rugby Challenge toujours et on va faire pour moi ce qui est le deuxième gros match de la journée, de cette journée, de ce week-end de Top 14. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, si c'est le cas, mais c'est le Rugby Club Toulonnais, une des grosses équipes évidemment, face au Castres Olympique qui fait une saison quand même tout à fait correcte et qui est en marge de se qualifier sur ce... Sur ces demi-finales, enfin sur ces quarts de finale plutôt, donc sur ces matchs de barrage. Donc bon, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de faire ce match. Évidemment, nous on va prendre le Castres Olympique. Ce sera pas forcément facile au stade de Mayol, évidemment. Ouais, défilé pro, 15 minutes, toujours pareil. Ce sera horaire de jour et beau temps, parce qu'à Mayol il fait toujours beau. Hein. Je sais pas, mais c'est ce que les gars de là-bas disent. Et on va mettre deux jours parce que ce sera dimanche après-midi, je crois. Alors, c'est peut-être dimanche soir, je suis pas sûr. Je fais peut-être une erreur. Je sais que c'est dimanche, voilà. Bon, on va mettre deux jours, je sais pas. Voilà. Et on peut y aller. On peut y aller. Nous, on prend donc Castres qui est quand même clairement moins bien noté. Donc, ça va pas être forcément facile. Si vous avez vu l'autre match où j'ai pris Brive face à Clermont ou Racing, face au Racing. Bah, j'ai galéré, j'ai pas réussi à faire grand chose, donc j'espère que ça va mieux se passer cette fois. On va voir ce que ça va donner. Ça doit être sympa. Il y a quand même Castres qui remonte en force. Moi je les vois quand même capables d'aller sur les matchs de barrage. Bon, l'effectif de Toulon, Nini, Guirado, Mafou, Souta, O'Connell, Smith, Hermitage, Vermelon en 8, Thius Bordito, la charnière, Nonou Bastaro pour les centres, Abana et Mitchell sur les ailes et Alf Peigny en 15, c'est du lourd. Côté Castres, il y a Gray quand même en deuxième ligne avec Capo Ortega, Cocotte évidemment en 9, Diarra le 6, c'est pas trop mal. Caballero aussi, c'est pas trop mal. On a Cabane, s'il va tout sur l'aile, Lamera, Grosso. Bon, c'est quand même une équipe plutôt sympa. Il y a de quoi faire, je pense. Donc, si j'arrive à faire des trucs, je peux faire avec cette équipe. Il y a moyen, donc on va essayer de faire du bon jeu. Allez, et on ne récupérera pas la balle déjà. Ça commence bien, mais Gray qui va pas évidemment rater le plaquage et qui plaque bien. Encore. Attention, le petit côté. J'ai cru que j'allais pouvoir la récupérer, non. Donc on se place bien. Et attention. Voilà, bien plaqué, on le met en touche. Parfait. On va faire un alignement complet direct. On va évidemment donner la balle à Richie Gray. Parce que lui, il ne peut pas rater. Hein. On ne perdra jamais la balle en touche. Il va à Toulouse, donc c'est vrai. Ah, jetez-vous. Allez, que je dis ça, il a perdu la balle hein, en touche. Alors que j'avais fait le truc correct. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de problème. J'ai cru qu'on allait pouvoir la reprendre. Attention, Cocotte qui vient sur Nonou. Boum. Il casse le plaquage de Cabane. Mais de Cocotte, mais Cabane arrive à plaquer Nonou. Donc ça va. On les gêne. On s'organise bien en défense et on fait des montées rapides pour pas les laisser respirer. Mais ils s'en sortent bien. Sivi va tout bien. Ah oui. Allez. Hop là, Thius Bord, on le laisse pas respirer. Et j'ai cru qu'on allait pouvoir faire le contre-ruck. Richie Gray qui se jette. Non. Là, ils sont quand même vraiment bouffés. Là, ils sont en difficulté, Toulon, c'est plutôt pas mal. Surtout ne pas se mettre à la faute et pas donner une pénalité. Oh là là. Et on va avoir une bonne mêlée. Non, il nous casse le plaquage. Il nous a cassé tous les plaquages. Et il continue. Et ils sont. Oh, on a réussi à intercepter. Là, faut qu'il soutienne. Là, il faut pas. Aïe, aïe, aïe. Je sens le match où on va avoir aucun ballon dans les rucks. C'est bien parti, je crois qu'on a gagné aucun ballon dans le ruck. On a l'avantage sur la mêlée. Et on perdait le ballon de nouveau, je crois, dans le rec. Bon, mais il y a la mêlée. Donc ça va. Non, mais on perd tous les recs, donc on a intérêt à mettre les essais. Il va falloir mettre les essais sur des premières intentions, quoi. Là, c'est faisable. Là, on est à 5 mètres de la ligne. Déjà, faux. Ouais, on la perd pas. C'est cool. On part avec le 8. Oh là 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 là.
Il nous. Et bien, il y a le soutien qui met. Qui bougeait pas. Et on la perd. Voilà. Et là, ils vont réussir à dégager, à s'en sortir. Je crois qu'on n'a pas gagné un seul ruck. Et, 15 minutes de jeu et toujours pas un seul ruck gagné. Ça sent le mal. Et en plus, là, Nono qui nous casse sous les placards. On va peut-être. Ah, je me suis dit qu'on pouvait peut-être récupérer la balle. Allez, cette fois-ci, Guito arrive à plaquer. On a raté une bonne occasion d'essai. Là. On va essayer de faire un joli coup de pied. Attention, je la mets direct. Elle est direct en touche. Ça fait mal ça. Hein, parce que... Aïe. On rate quand même une vraie occasion d'essai là. Un mêlé à 5 mètres qu'on a raté. Ouais, on connaît le contre-grille. De sacrés joueurs de deuxième ligne. Allez, bien Diarra qui était au bon endroit. Et si on gagne un ruck pour une fois? Oui, premier ruck gagné. Voilà, je sais pas ce qu'on va tenter. Ils sont. Hop là, boum. On prend le terrain. Voilà, j'avais vu le trouver. C'est parfait. En plus, il met le ballon en touche lui-même. Et là, il y a de quoi marquer un essai. On va tenter la fameuse technique. Richie Gray. Allez, cette fois-ci, tu te rates pas, Richie. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Allez, Sylvie, va tout faire jeter. Aïe. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont fait des mains en. Des mains carrées au petit Richie Gray. Et là, on n'était pas loin, je pense, de la reprendre. C'est dommage. On leur met une bonne. Allez. Ah, j'ai cru au contre-ruck, mais non, il n'y arrive pas. En tout cas, faut pas les laisser respirer. Et on attrape. On marque un essai un peu inattendu. Et voilà, ils cafouillent. Et à force, on leur mettait une telle pression quand même. Et on va être passé par là. Ils cafouillent le ballon. Et je sais pas ce qu'ils tentent. Ils tentent un retour intérieur pour Matt Guito. Et ça leur coûte assez cher. Essayer de passer le ballon entre les paires. Et je vais la rater. Aïe. Et ouais. Bon, 5-0. C'est quand même déjà. C'est pas trop mal. Hein. Pas de quoi paniquer. On fait un bon match pour l'instant. Toulon est bien maintenu. Allez, Cabane. Non, mais le problème, c'est que. Même si on récupère la balle. Si, ça va. On va la garder là. Hop. Hop. Voilà, tranquille. Boum. Et cette fois-ci, on l'envoie pas direct. On va trouver une touche pas loin de leur 22 mètres. Et même là, c'est le fameux bug. Regardez, elle va être pour nous la touche. Alors que Bastaro attrape la balle déjà en touche. C'est le bug du jeu. Je sais pas si sur le 3 ça a été corrigé. En tout cas, nous, on va faire la balle, la passe. Enfin, on va chercher Capo Ortega plutôt parce que. Avec Richie Gray, ça donne rien, donc c'est pas, c'est mieux. Capo Ortega. Oh, cocotte. Un raffut. Oh, le beau raffut de Rory Cocotte. J'ai bien aimé là le raffut de Cocotte. Et on va pouvoir l'avoir sur un autre plan. Mais là il se l'est gagné, l'essai. Attention, hop. Il change de main. Et boum. Ah, pas mal. Jolie Cocotte. On pourrait mettre Cocotte d'ailleurs au but plutôt, mais. Allez, c'est un peu sur le côté, mais ça très bien la mettre cette fois. Et ça devrait être bon si on la met pile au milieu. Voilà. Pour hop là, le vent il est un peu décalé, mais ça suffira. C'était limité, je crois, avec le vent, faut faire gaffe. En tout cas, 12-0. Là, Toulon, on les a surpris. Alors, grâce au bug de la touche, hein, on le sait, mais on en profite. Allez, attention. Oh, c'est avec un gros que j'ai tapé. C'est pas grave, il rate Alpeni, ouais, qui a raté. Allez, et là, on les met vraiment en difficulté à Toulon. C'est marrant, si vous avez pu voir le match où je jouais Brive face à. On va même peut-être laisser sortir. Non, la prend pas. Et nickel. Ouais, si vous avez vu le match où je joue Brive face au Racing, où j'arrive à rien faire. Mais vraiment rien. C'est impressionnant là, le changement. Alors qu'au final, les différences de notes sont plus ou moins les mêmes. Et là, on les bouffe hein, à Toulon. Plus ou moins, en tout cas, en plus à domicile. À Mayol. Aïe, on va perdre la balle en mêlée quand même. On perd la balle en mêlée, c'est dommage.
Ah, faut pas les laisser. Hein. Ouais, je suis parti du mauvais côté. Et là, ça peut être dangereux. Allez, Grosso, faut rattraper. Oh, je me suis fait avoir. Grosso. Allez, je tente le blocage. Non. Allez, ça va vite. Côté Toulon, ils peuvent. Faut... J'ai parlé trop vite, je sens. Et là, il... là après, je sais pas ce que j'ai fait avec le 15. Ouais. Je sais pas si c'est moi ou l'IA, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, le 15 s'est bien troué là et ça fait mal. Et les voilà revenus à 5 points de nouveau. Très bien de la récupérer là. Allez, renvoie court. S'il va tout. Eh non. Oui. Oh là 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 là. Ils sont énervés là. Allez, Grosso. Oh là 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 là. Nounou qui nous casse tous les plaquages. On ne pourra pas faire un arrêt de volée, mais ils vont. On va de nouveau laisser sortir. En espérant cette fois gagner la mêlée. Bon, alors, une dernière occasion. Sur les 50. La dernière occasion à la mi-temps. On peut peut-être faire un truc. On va tenter de faire du beau jeu. Si on arrive à la conserver déjà. Pas mal, il... Allez, cabane, on va tenter un rafu, il est puissant normalement. Il casse un plaquage, il fait la place à Diarra. Diarra, il est un peu lourd, c'est du genre Nyanga, mais... Allez, au bout. Oh là là. Ça va, on devrait la garder. Et on peut marquer l'essai, hein. Départ du 9. Et ça marque. C'est Rory Cocotte encore. On met un joli essai là, je trouve, sur sortie de mêlée. Ouais, c'est Cocotte encore. Et c'est sympa, Diarra qui se fait rattraper à 1 mètre de la ligne. Mais le soutien était là. Et Cocotte est arrivé. C'était la panique dans la défense toulonnaise. Et on marque l'essai avant la mi-temps. Donc c'est plutôt cool ça. Et ça devrait passer. Ça devrait passer, voilà. Et ça fait 19 à 7. On reprend 12 points d'avance à la mi-temps. Ça sent bon pour Castres ça. Alors il n'y a pas le bonus offensif voilà, encore vu qu'il faut avoir trois essais supplémentaires que l'équipe adverse. Évidemment là il y a trois essais à 1. Donc on a deux essais juste supplémentaires. Et nous ce serait bien de les récupérer les ballons là. Mais non. On est dominé dans les airs et dans les rucks. Mais on défend bien pour l'instant. Ouais, j'ai cru qu'on allait pouvoir la récupérer mais non. Donc on va vite ressortir tout le monde. Et essayer de s'organiser sur la largeur mais ils sont pas trop... Donc nous on essaie de s'organiser, vous voyez, on met personne dans les rucks pour pouvoir mettre la pression. Toujours en possession du ballon, je crois. La pression défensive. Allez, ils arrivent à bien s'en sortir là, faire une jolie passe. Allez, Paul O'Connell qui casse un plaquage, deux plaquages, trois plaquages. Et il a fait un en avance cette fois-ci. Et si on perd la balle, on a la mêlée. Hein. On va perdre la balle. Non, il nous la laisse. Là, c'est limite s'il nous la laisse pas. Hop, j'essaie de sortir le mec et on va tenter. De faire du jeu. Caballero. Lamera qui tente de... Ah, un rafut, mais... Je suis un peu enflammé, là. Allez. Et la Cocotte. Attention, on a le vent pour nous, donc ne pas... Donc je préfère la croiser un peu, la mettre bien au centre. Et même elle, ça va aller trop loin, attention. Je vais vite avec dire... Aïe. Évidemment, ils vont demander la mêlée, là. Hein. Et là, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce qu'on pouvait vraiment. J'aurais dû encore plus la croiser au final. En tout cas, moins forte. Taper moins fort. Oh, bonne introduction. Bonne première poussée là dans notre mêlée. On est pas loin de la récupérer, je pense. C'est serré et on la récupère. On va essayer de trouver une belle touche. Hop. Non, on la croise pas assez. Si. Beaucoup de pieds là, on leur a mis une bonne pression. Et là c'est le moment de mettre le feu avec Richie Gray qui casse un plaquage. Non, dommage. Et là on n'a pas le soutien une fois de plus, hein, les rucks. Oh, il fait un en avant. Et là si on ouvre très vite, Sivivatu qui tente un crochet. Ah, l'avantage qui est terminé, mais ça va, on a le soutien. Pas de panique. Allez, Grosso. Caballero, et on se fait intercepter. Aïe. Ah, c'est foutu. Hein. Mitchell, on le rattrapera pas. Ah, ça
pique ça. Ça, ça pique. Ils se remettent dans le match alors que on n'est pas loin d'aller mettre le quatrième essai, de plier le match en quelque sorte. Et là, à la place, il... Drew Mitchell qui nous fait très très mal. Et ben, à faire 80 mètres à lui tout seul. Et ça passe pas. Ça passe pas. 7 points d'avance, ils ont même pas le bonus défensif, les Toulonnais. Bon, c'est serré. Maintenant qu'on en voit qu'on arrive à attraper aucun ballon dans les airs, on va plutôt envoyer hop, loin devant, parce que de toute façon on n'arrive pas à le récupérer là. Et on va mettre la pression avec un plaquant très vite avec Sivatou, mais O'Connell qui casse le plaquage. Là on s'organise bien, parce qu'attention. Ça y est, ça s'énerve, plaquage manqué, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, je peux rien faire. Honnêtement, je pouvais rien faire, hein. Je vois pas ce que je pouvais tenter. Ils m'ont cassé, chaque plaquage que je faisais était cassé. On va peut-être voir le ralenti, mais ça ira pas. Bon. Ouais, non, on voit juste la fin, mais... Et ils vont revenir à 19 partout. Et là ça fait mal, hein. Ça fait mal. Parce qu'on était quasiment sûr de gagner le match. Et là au final il y a égalité, 19 partout à 20 minutes de la fin du match. C'est chaud. On va retenter au même endroit, mais en espérant ne pas se faire casser tous les plaquages cette fois. Ça serait pas mal. Allez, Sivatou arrive à fond. Oh, ah bah c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ils l'ont pas prise. Donc là on peut leur mettre une pression, ils ont été un peu désorganisés les Toulonnais. Allez Richie Gray, ce serait le moment de... Ah non. Allez, oh, c'est intercepté. Mais de toute façon, comme si dans les, comme dans les rucks, on perd toutes les balles. On peut rien faire, ça ne sert à rien en fait d'intercepter pour nous. Donc là faut juste bien défendre, mais c'est dur, hein, comme ils cassent tous les plaquages. Aïe, aïe, aïe. Ils arrivent à bien dégager. Allez gros saut. Hop, petit coup de pied à suivre. Il s'est fait plaquer un peu sans ballon. Allez, allez, on récupère. Allez, il est pas hors jeu lui. Il est pas hors jeu, s'il vous plaît. J'ai envie de tenter petit côté là. Petit côté. Hop. Ah, j'ai demandé à faire la passe. Ah, ils nous l'ont blessé. Allez, Rory Cocotte qui a marqué, qui a fait un doublé aujourd'hui. Doit sortir et c'est Dupont. Je ne connais pas trop, mais on va pas être Buddy Wolf. Bon ben, va pour Dupont. C'est vraiment dommage pour lui. C'est dommage. Cocotte était chaud, était on fire sur ce match. Nous faut pas. Aïe 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 aïe. Pourtant on ne fait pas des trop mauvais trucs et on se bat là. Hein, on veut pas la perdre. On va peut-être la garder, ça va. Allez, faut mettre le feu, on a mis un bel essai à Cabane qui retente de casser un plaquage et cette fois il ne le cassera pas, dommage. Mais il y a le soutien, même sens, Lamera, ah, il va être rattrapé par Drew Mitchell évidemment, il est moins rapide. J'essaie de garder le ballon au sol le plus longtemps possible pour un... Ah, je peux pas. Et là attention au contre. Là on met du monde dans le mol pour les arrêter de suite et faire... Oh, je suis hors jeu avec la Mira, mais pourquoi ils me le prennent? Je sais pas quoi faire. Oh bah de toute façon il... Je sais pas comment... On peut pas la... Ah, j'ai cru qu'on allait pouvoir le gratter. Non. Non nous. Oh, qui arrive à faire un... Ah, ça va pas... Oh là là, il faut la récupérer. C'est chaud. Hop là. Oh là, on va bien s'en sortir quand même au final. Ouais, on s'en sort pas trop mal. Maintenant, faut bien défendre là. Là, faut bien défendre. Le problème, c'est que mon joueur qui a tapé, vous voyez, il s'est fait plaquer. Donc, il a pas pu. Ça y est, il me recasse tous les plaquages. On peut pas faire grand chose là. On a fait une très très bonne première mi-temps, mais. Le numéro 9 récupère ce ballon. Allez, gros saut. Allez, qui arrive à bien plaquer Guito, mais. En fait, ils acceptent de reculer petit à petit en faisant des passes après contact, mais de toute façon, vous voyez, ils nous cassent tous les plaquages et on peut pas faire grand chose. Il y a rien à faire, regardez. On dirait que je joue avec des minimes face à des joueurs pro, quoi. C'est hallucinant. Allez, Cabane sur Abana, non. Sivatou qui va pas se laisser faire.
Allez, allez, on met du monde dans le mol et on les repousse. Oh, je suis hors jeu. Oh, c'est pas grave. Oh, il est sérieux? Pourquoi il a pas plaqué? Pourquoi il a pas tapé en touche? Je lui demande de taper là. C'est dégueulasse. Il a vraiment le temps de taper. Je le. Ça fait très très mal parce que il va falloir essayer de la récupérer la balle hein, et Castres sort même du bonus défensif là hein, vu que c'est 5 points maintenant hein, cette année. Dire qu'on est 19-7 hein. Allez, il faut la récupérer là. Allez, Sylvie va tout Cabane, on la récupère bien Cabane. Allez Diarra, on tente de tout envoyer à l'air et on se fait intercepter. Allez, oh, Nonou qui casse le plaquage à Richigri. Bah, ok, il est plus arrêtable. Il est plus arrêtable. Mais c'est. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? J'étais hors jeu encore, donc il faut que je les laisse avancer. Ouais, on va se mettre. Ah, il tape en touche, Nonou là. Ah, oh, je suis deg de perdre le match. Je suis deg de. Là, je rage, vous m'entendez rager, mais. Le nombre de plaquages manqués, c'est n'importe quoi. Il y en a pas, hein, mais le nombre de plaquages manqués, c'est n'importe quoi. Ouais, passage à ligne de défense, on 6, donc il mérite de gagner, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, je pouvais rien faire, en fait, il me cassait un nombre de plaquages, vous pouvez bien regarder en vidéo, mais... J'avais bien deux plaquages sur trois presque qui étaient cassés. Donc bon, là c'était dur. On verra ce qui se passe. Ce sera dur pour Castres. Hein. Moi je dis une victoire de Toulon normalement. Mais bon, c'est quand même le match qui peut... c'est une bonne équipe Castres cette année qui peut se qualifier pour les quarts. Donc on sait jamais. Merci à vous d'avoir regardé. Et nous on se retrouve, ben, le prochain match de rugby, ben, c'est tout simplement la finale de Champions Cup et la finale de, qu'on s'appelle, de Challenge Cup. Voilà, ben, à très bientôt, allez, ciao ciao.